Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Alors précédemment il s'est passé quelques rebondissements. Les Hokage sont sur le point d'affronter Jubi avec Madara et Obito. Donc je me suis juste arrêté juste avant le combat où l'équipe 7 a été réunie depuis fort longtemps. Mais juste avant d'affronter les clones du Jubi. Donc allez, on va commencer tout de suite. Alors, on sait pas trop où donner de la tête en fait, on sait vraiment pas où aller. Il y a tellement de monde que on est un peu perdu. C'est une mauvaise direction, merci. Je sais où je vais quand même. Vous savez, vous calmez tout de suite. Celui-là rigole pas, celui-là rigole pas, je pense, ah oui, non, il rigole pas. Thank you.
Alors, c'est un combat de vraiment de titan. Hop, je vais couper au moins ses deux bras. Ben voilà. Et pile-poil 9000 9000 clones. On a l'impression qu'ils étaient éreintés là. Oula. Alors faire attention. Yeah, ça c'est la classe quand même. Yeah. Et les corps, les corps. Wow. Faire un petit surf. Ce n'était qu'un leurre, c'était qu'une diversion. À la tête qu'ils avaient. Ça c'est beau, ça c'est beau. L'amitié les amis, l'amitié. Et l'amitié fait mal aux doigts, je peux vous le dire. Surtout au pouce. Souvenir, un souvenir, un souvenir. Bon, pas si mal les amis, c'était pas si mal. L'équipe 7 réunie, la fin. Bah, retrouvailles fort jouissif, on va dire, parce que des techniques de malade, c'est des techniques de malade qu'ils appliquent aujourd'hui, qui font. Donc, super, super, super. Je suis ravi de ce renouveau entre Sasuke, Naruto et Sakura. La volonté de faire. Travers le temps et l'espace. Eh oui, c'est vrai qu'on avait Kakashi qui avait été absorbé par l'œil d'Obito.
そうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉を。Et oui, c'est peut-être ça qui fait le plus mal Obito, c'est que il voit Naruto comme lui quand il était plus jeune, cette fougue qui l'aurait pu avoir s'il n'avait pas fait le mort entre guillemets pendant sa jeunesse. Mais est-ce que Obito reconnaît au moins ce fait ou il se cache derrière encore ce masque entre guillemets bien sûr. Cette haine dans ce regard, c'est hallucinant. Je donne un coup de chapeau aux dessinateurs qui ont fait ce manga. Arriver à retransmettre les émotions, c'est quand même pas mal, c'est même plus que pas mal, c'est magnifique. Il s'est vraiment fourvoyé quand même Obito. Il y croit dur comme fer à la promesse que lui a fait Madara. C'est dommage. La colère, je pense que c'est la colère. La colère qui illusoire. Hein. その本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。では、こんな世界にいてどうやって穴を。Kakashi essaye désespérément de le faire revenir à la raison, de le faire revenir du côté des gentils, entre guillemets, des gentils, du bon. Parce que faut pas oublier que du point de vue d'Obito, sa vérité, ce qu'il dit, c'est lui le gentil. C'est lui qui veut soigner toute cette planète qui est avide de pouvoir dû à l'esprit des ninjas, mais chaque point de vue peut se défendre, mais c'est vrai que forcer les gens, forcer les choses à se réaliser ne sert à rien, ne sert strictement à rien, ce qui doit arriver arrive. Et Kakashi essaie désespérément de lui faire comprendre ça, que l'île est morte et que malgré tout ce qu'il veut faire Obito, ça ne marchera pas, ça ne remplira pas ce vide qu'il a. Cette haine qui le remplit, qui le ronge de l'intérieur. Un petit combat sympathique entre Obito et Kakashi. J'ai été un peu surpris là, je suis qui là? Ok, je suis toujours Kakashi, je suis toujours actuellement Kakashi. お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。
J'ai eu Obito. Et encore une fois, il s'est fait avoir. Cette technique, à chaque fois qu'il utilise sa pluie pour disparaître, pour se téléporter, et je sais pas s'il sera assez pour. Non, ce sera pas assez. Et oui, on va essayer de finir avec une attaque ultime quand même. L'éclair pour prendre. Ouh, un S. Oh la vache, ça faisait longtemps ça. Et puis je vous avais prévenu, j'essaierai d'avoir des S le maximum possible, mais voilà. Ah. Bah il s'est barré. Bon, vas-y, Madara, c'est limite, il va pas se taper tranquillement un petit sandwich. Donc Obito est de retour dans notre dans le monde réel, dans notre monde, dans le monde réel. Je vous ai prévenu que c'était qu'il allait le trahir, que c'était une trahison sûre et certaine, que Madara a été en train de manipuler depuis sa jeunesse. Allez, c'est parti pour ça. Pauvre Obito. Sasuke coiffé au poteau par le 4ème Hokage. Vraiment coiffé au poteau. Malin. Il était malin. Il avait été malin le 4ème quand même, parce qu'il s'était dans l'idée qu'il pourrait revenir un jour. Il avait implanté sa marque. Ingénieux. Dans les bas-fonds de l'inconscient d'Obito, il est déchiré entre l'amitié de son maître, de Kakashi et de Lin. On le voit, il se fait déchirer, mais c'est une métaphore par rapport à sa vie. Et est-ce qu'il est prêt à se battre pour s'en sortir?
Oui, lui rigole, les autres rigolent moins. Carrément bande de traite. Que se passera-t-il si Obito absorbe le pouvoir des Jubis? Quelle est l'être est-ce l'être qu'on a vu tout à l'heure plutôt dans l'aperçu? À travers le temps et l'espace. Enfin, alors je pense, oui, je pense que oui, le personnage qu'on a pu voir dans l'aperçu est bien Obito, qui est devenu le réceptacle du Jubi. Alors, ça va être fort, fort les épisodes qui arrivent, ça va être sympa, ça va être très, très sympa. Et les amis, sur ce, bah on se laisse pour un prochain épisode. Allez, je vous dis, passez une bonne journée, bonne fin de journée. Allez, bye bye tout le monde. Bye.